prenez place assis sur un support ou directement sur votre tapis, sur le sol. Placez les mains sur vos genoux et fermez vos yeux. Observez ici votre respiration, votre souffle. Roulez les épaules vers l'arrière pour vous redresser, étirez la nuque, le menton parallèle au sol. Les paupières sont délicatement posées sur vos yeux, sans pression. Les mains également sur les genoux, délicatement déposées. Allégez les coudes et les poignets. Et continuez à grandir votre colonne vertébrale, à l'étirer, à créer de l'espace. Puis placez vos mains en Anjali Mudra devant votre cœur. Et je vous invite ici à déposer une intention pour votre pratique de ce matin. On inspire pour un Om. Inclinez le visage vers votre cœur. Déposez vos mains sur vos genoux. À la prochaine inspiration, lentement redressez la tête et tout doucement ouvrez les paupières. Et venez vous placer en Balasana, posture de l'enfant. Vous pouvez écarter un petit peu les genoux, vous asseoir entre vos talons, allonger vos bras loin devant et déposer le front sur le sol. Inspirez ici par le nez. Expirez par la bouche. Ramenez le regard à l'avant. Inspirez, venez dans la posture de la table. Crochetez les orteils et ramenez les genoux, la largeur du bassin. Les mains, la largeur des épaules. Faites des petits mouvements circulaires pour commencer à réveiller votre corps, vos articulations, le dos. Servez-vous de la respiration. À l'inspire, je vais vers l'avant. Et à l'expire, je pose dans les mains, j'arrondis le dos, j'expire, je vais vers l'arrière. On fait des mouvements circulaires et avec le dos aussi comme un petit peu quatre coups finalement. Quand je vais vers l'arrière, j'ai le dos rond du chat. Et quand je vais vers l'avant, j'ai le dos creux de la vache. Ferme tes yeux pour ce mouvement. Vraiment ramener de la conscience ici. Inspiration, expiration. Et mouvement circulaire. Puis tu pars dans l'autre sens. Regarde tes mains, vois si les doigts sont bien écartés, déjà bien ancrés. C'est ton premier ancrage ici. Les mains. Les pieds. La manière dont les orteils sont disposés à l'arrière. Puis tu reviens dans un de notre... Chien, la tête en bas. Expirez. Commencez à marcher dans votre chien. Pliez une jambe, pliez l'autre. Inspirez, levez les talons. Venez dans la planche. Déposez genoux, poitrine et menton au sol. Glissez, cobra. Expirez, chien, tête en bas. Inspirez, levez les talons, roulez la colonne vers l'avant, planche. Déposez les genoux, la poitrine et le menton, gardez bien les coudes vers l'arrière. Glissez entre vos mains comme un cobra. Allongez les orteils, descendez les épaules vers le bas, vers l'arrière. Puis crochetez les orteils, chien, tête en bas. Prenez ici une grande inspiration par le nez et expirez par la bouche. Levez les talons, marchez petit pas pour venir vous placer à l'avant de votre tapis, pieds ensemble. Inspirez, allongez le dos, Ardha. Expirez, penchez-vous, Uddanasana. Montez les bras vers le ciel en poussant dans vos jambes ou devant. Main devant le cœur.
Samasthiti. Trois salutations au soleil. Inspire, monte les bras vers le ciel. Urdhva. Ouvrez les bras. Expirez, plongez vers l'avant. Uddha. Inspirez, Ardha. Marchez ou sautez. Chaturanga. Chien, tête en haut. Et chien, tête en bas. Reste là pour trois. Relâchez la tête. Inspire. Présent les mains. Expire, descend les talons pour deux. Inspire. Expire. Enlevez les talons, fléchissez les genoux. Regardez devant, saute. Inspire, allonge le dos. Expirez, relâchez. Déroulez la colonne. Montez les bras vers le ciel, Urdhva. Main devant le cœur. On repart. Inspire. Ouvre les bras, expire. Inspirez, Ardha. Expirez, Chaturanga. Chien tête en haut, tendez bien les bras, regardez vers le ciel. Expirez, chien tête en bas, reste là pour trois. Replace les pieds, largeur du bassin, inspire. Présent les mains, expire, descend les talons. Inspire, rentre le ventre, ne relâche pas les côtes. Ramenez vers le ciel, comme si tu portais un corset. Pour deux, la peau des aisselles face au sol et les épaules qui s'éloignent des oreilles. Pour un, levez les talons, pliez les genoux, sautez. Inspirez, allongez le dos, Ardha. Expirez, penchez-vous, Uddha. Montez les bras vers le ciel, Urdhva. Main devant le cœur, la dernière, inspire, Urdhva. Ouvre les bras, expire, Uddha. Inspire, Ardha, Chaturanga. Urdhva Mukha. Adho Mukha Svanasana, reste là pour trois. Inspire, expire, deux. Inspire, expire, enlevez les talons, pliez les genoux, sautez pieds joints. Inspirez, allongez le dos, expirez, penchez-vous. Montez les bras vers le ciel, Urdhva, main devant le cœur, puis Tadasana. Fermez les yeux un instant, observe ici ta respiration. Ton équilibre aussi, les yeux fermés. Plus de poids dans le vers l'avant, vers l'arrière, sur les côtés. Essaie vraiment de répartir, d'avoir les plantes de pied aussi larges que possible sur le sol. Ouvrez les yeux, inspirez, Urdhva Hastasana. Pliez les genoux, Utkatasana. Relâchez les mains au sol, Uttanasana. Inspirez, Ardha. Écartez les pieds largeur du bassin. Attrapez vos coudes opposés et relâchez. Balancez d'un côté, de l'autre. Changez le croisement des coudes. Relâchez les mains au sol, inspirez Ardha. Reculez une jambe, puis l'autre dans la planche. Descendez Chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Levez la jambe droite, hanche parallèle, le pied flex. Ramène le genou au coude droit. La jambe repart vers le ciel, tendue. Genou au front. La jambe repart vers le ciel, tendue. Le genou au coude gauche. La jambe repart vers le ciel, tendue. Et ramène le pied à l'avant entre tes mains. Placez votre pied à l'arrière, 45 degrés. Guerrier 1, inspirez. Rentrez le ventre, pliez bien dans votre jambe avant. Comme deux mains qui se touchent. Sans casser votre nuque, regardez vos mains. Expirez, mains au sol. Planche, Chaturanga. Chien tête en haut, chien tête en bas. Montez la jambe gauche, inspirez. Genou coude gauche. Inspire, présent les mains. Genou front. La jambe repart. Genou coude droit. La jambe repart une dernière fois. Pied entre les mains, guerrier 1, pied arrière 4, 45 degrés. Montez les bras vers le ciel. Respire, pliez bien dans la jambe avant. Les deux hanches avancent. Expirez, main au sol. Planche, Chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Joignez vos pieds ensemble. Levez les talons, pieds et genoux et sautez pieds joints entre vos mains. Inspirez, Ardha. Expirez, Uttanasana. Inspirez, pliez les genoux. Utkatasana. Tendez les jambes, main devant le cœur.
Inspire, monte les bras vers le ciel. Plie les genoux, Utkatasana. Expirez, main au sol, relâchez. Regardez loin devant. Sautez, Chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Montez la jambe droite, inspirez. Ramenez le pied à l'avant entre vos mains. Guerrier 1. Inspire. Ouvrez les bras. Placez le poids du corps dans le talon droit. J'espère que la musique n'est pas trop forte. Je baisse un peu. Et vous venez dans votre guerrier 3. Donc prenez le temps ici. Hop, de placer le poids du corps bien dans la jambe droite. Les deux hanches face au sol. Étirez les bras vers l'arrière. Respire. Ici, tu vas plier la jambe droite. Et tu retends. Encore. Plie. Tends. Dernière, plie, tends, pose les mains au sol, standing split. Allez, monte la jambe gauche, le pied pointé, les deux jambes bien tendues, viens chercher ta cheville droite avec la main droite et rapproche-toi de ton tibia. Respire, inspire et remontez tout doucement. Pliez le genou avant, déposez le pied à l'arrière, Chaturanga. Chien tête en haut et chien tête en bas. Montez la jambe gauche, inspirez. Ramenez le pied à l'avant entre vos mains. Guerrier 1, inspire. Ouvre les bras, prends un petit peu ici, viens sur la jambe gauche. Aide-toi ici en poussant dans les orteils à l'arrière et viens dans ton guerrier 3. Plie la genou avant, retends. Encore, plie, tends, la dernière, plie. Tends et pose les mains au sol, standing split. Viens chercher ta cheville gauche. Allez, monte cette jambe droite, la jambe tendue, le pied pointé. Tout doucement, tu ramènes les deux mains au sol. Inspire, pose le pied loin derrière, presse dans les mains, viens dans la planche, Chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Prenez une grande inspiration par le nez. Expirez par la bouche. Joignez les pieds ensemble, levez les talons, pliez les genoux, sautez pieds joints entre vos mains. Inspirez, allongez le dos. Expirez, penchez-vous. Montez les bras vers le ciel, Urdhva. Main devant le cœur, Samasthiti. Inspire, monte les bras vers le ciel, Urdhva. Pliez les genoux, Utkatasana, décambrez le dos. Expirez, posez les mains au sol, relâchez la tête. Inspirez, Ardha, Chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Poussez dans les mains, montez la jambe droite. Inspire. Ramène le pied à l'avant entre tes mains. Guerrier 1. Inspire. Ouvrez les bras. Guerrier 3. Prends le temps. Tout doucement, tu vas placer ta main droite au sol. Tout doucement, pas comme moi, trop vite. Pour venir dans Ardha Chandrasana. Tout le côté gauche qui s'ouvre au-dessus du côté droit. Essaie d'être légère dans cette main droite au sol. Puis tout doucement, tu vas plier les deux jambes. Plie les deux jambes. Pose le pied gauche au sol pour venir dans Malasana. Allez, écarte bien ici les genoux vers l'extérieur. Et maintenant, essaie d'écarter les genoux sans que ce soit les coudes qui éloignent les genoux. Bien, tu ramènes de nouveau le poids du corps dans la jambe droite. Place ta main droite au sol. Tu vas revenir dans Ardha Chandrasana. Hop. Respire. Puis, avec contrôle, redescends la hanche gauche pour essayer de revenir dans ton guerrier 3. Pose le pied à l'arrière, guerrier 1. Inspire, monte les bras vers le ciel. Ouh, expire, main au sol. Chaturanga. Chien tête en haut. Et chien tête en bas. Montez la jambe gauche, inspirez. Ramenez le genou au front, front au genou. Posez le pied entre vos mains. Pied arrière, 45 degrés, guerrier 1. Ouvre les bras, expire, guerrier 3.
Donc quand on tend, posez la main gauche au sol, Ardha Chandrasana. Ouvrez tout le côté droit. Flexez le pied droit. Respire. Pliez les deux jambes. Bien poser le pied à l'arrière. Malasana. Essayez maintenant d'éloigner les genoux vers l'extérieur sans que ce soit les coudes qui te poussent. Essaye. Puis replace la main gauche au sol. Hop, prends un petit peu d'élan et reviens dans Ardha Chandrasana. Tout doucement, avec contrôle, tu reviens dans ton guerrier 3. Donc ici, la hanche droite qui va redescendre. Plie si besoin la jambe de terre. Pose le pied à l'arrière, guerrier 1. Monte les bras vers le ciel. Inspire. Posez les mains au sol. Planche, chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Relâche bien la tête. Inspire, lève, joins les pieds ensemble, lève les talons, plie les genoux et saute pieds joints entre tes mains. Inspirez, allongez le dos. Expirez, penchez-vous. Montez les bras vers le ciel, Urdhva. Main devant le cœur, Samasthiti. Inspire, monte les bras vers le ciel, Urdhva. Plie les genoux, Utkatasana. Veillez à ce que les genoux ne dépassent pas les orteils, bien sûr. Hein. Décambrez le dos. Puis expirez, ramenez les mains au sol et relâchez la tête. Inspirez, Ardha. Expirez, Chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. La jambe droite monte vers le ciel. Inspire. Ramène le pied à l'avant entre tes mains, guerrier 1. Ouh, vous connaissez le flow maintenant. Ouvre les bras, guerrier 3. Posez la main droite au sol, Ardha Chandrasana. Pliez les deux jambes, descend, Malasana. Reviens, Ardha Chandrasana. Puis reviens, guerrier 3. Posez le pied à l'arrière, guerrier 1. Et ici, on ouvre en guerrier 2. Décambrez le dos. Veillez à ce que le genou droit reste dans la direction de vos orteils. Descendez les épaules. Tournez votre main avant et renversez votre guerrier 2. Revenez guerrier 2. Skandasana à l'arrière du tapis. Descends. Puis ouvre les bras, inspire. Peut-être ici, viens prendre le bain en passant le bras droit dans le dos, le bras gauche devant le tibia gauche. Viens chercher ton poignet droit pour éviter d'être ici vers le bas. Tu vas tirer ici dans le poignet pour te redresser. Garde bien le pied droit flex. Relâchez, posez les mains au sol. Hop, venez ici dans la godesse. Donc les orteils vers l'extérieur, redresse-toi. Garde les genoux pliés. Inspire, tends les bras. Et à l'expire, on fait le son H-A. Ha, on y va. Ha. Inspire. Expire. Ha. Dernière, inspire. Expire, ha! Bien, tout doucement, tu continues de plier la jambe gauche, mais de retendre la jambe droite pour redescendre. Skandasana à l'arrière de ton tapis. Puis tu viens vers l'avant, tu voyages. Tends les deux jambes dans la pyramide. Pose le pied à l'arrière, à 45 degrés. Ici, le pouce de la main droite vient dans le pli de laine et tu recules la hanche pour avoir les deux hanches qui reculent. Repose les mains au sol, inspire, allonge. Expire, relâche. Inspire, allonge. Expire, relâche. Inspirez, allongez le dos. Venez sur les orteils à l'arrière. Plie dans les jambes et dépose genou gauche au sol. Anjaneyasana, inspire, monte les bras vers le ciel. Descends les épaules. Avance un petit peu le pied droit si besoin, si nécessaire, pour pas que le genou dépasse la cheville. Et tu vas un petit peu plus bas. Presse dans le pied pour remonter. Inspire sans tendre complètement la jambe avant. Expire, descend. Inspire. Expire, descend. Respire bien. Inspire. Expire, relâche les mains au sol.
Tends la jambe avant, inspire, Ardha Anumanasana. Ramène les mains dessous des épaules, garde le pied avant, flex. Inspire là, expire, relâche. Inspire, expire. La dernière, inspire. Soit tu restes ici, soit tu glisses les jambes pour venir dans Anumanasana. Garde bien les deux mains au sol. Essaie de ramener les deux hanches vraiment de face. Inspire là, expire, penche-toi. Inspirez, redressez-vous. Placez les mains au sol, pressez pour vous aider à remonter. Place le pied droit plat dans le sol, tends la jambe gauche. Ramène les deux mains au sol, viens dans la planche. Pivote les deux talons à gauche, monte le bras droit vers le ciel. Si tu peux, ramène le pied droit par-dessus le pied gauche. C'est les pouces des pieds qui se touchent et les talons sont décollés. Puis étoile de mer, décolle la jambe droite. Plie le genou, pose le pied derrière, flip your dog. Ramène la main droite au sol, planche, genou, poitrine, montant au sol. On a fini le flow, inspire, cobra, expire, chien, tête en bas. Relâchez bien la tête, pressez dans les mains, allongez tout votre dos. Montez la jambe gauche, inspirez. Ramenez le pied à l'avant entre vos mains. Guerrier 1, inspire. Ouvrez les bras, guerrier 3. Posez la main gauche au sol, Ardha. Pliez dans les deux jambes, Malasana. Reviens Ardha Chandrasana. Guerrier 3. Posez le pied à l'arrière, guerrier 1. Ouvrez, guerrier 2. Recule le pied à l'arrière, plie bien dans ta jambe avant, garde le genou dans la direction des orteils, évite d'être vers l'arrière. Essaie de retrouver vraiment ici ta verticalité. Tournez votre main avant, renversez votre guerrier 2. Revenez guerrier 2. Skandasana à l'arrière du tapis, plie le genou droit. Ouvre les bras, inspire, viens prendre le bind. Relâche tout doucement, ramène les mains au sol, ramène bien les talons l'un vers l'autre, ouvre les genoux et remonte, goddess. Allez, inspire, tends le son ha, 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 encore deux, inspire, ha, inspire, ha, bien, plie, garde le genou droit plié, redescend, skandasana. Puis reviens à l'avant du tapis. Pyramide. Place le pied à l'arrière 45 degrés, tends les deux jambes. Le pouce de la main gauche vient dans le pli de laine pour reculer la hanche. Si tu ne peux pas avoir les deux jambes tendues, tu plies la jambe avant, pas l'arrière. Inspire, allongez le dos. Expirez, penchez-vous. Inspirez, allongez. Expirez, penchez-vous. La dernière, inspire, allonge. Pivote les orteils à l'arrière pour ramener le talon bien vers l'arrière. Plie les deux jambes et pose le genou droit au sol. Montez les bras vers le ciel, Anjaneyasana. Avance un peu le pied gauche à l'avant. Allez, tout doucement, on va commencer ici à étirer notre psoas et le quadriceps. Descends sans que le genou avant dépasse la cheville. Vérifie, sinon t'avances le pied. Inspire, presse. Expire, descends. Rentrez le ventre, inspire. Expire. Inspire, expire, dépose les mains au sol, tends la jambe avant si tu peux ou garde le genou déverrouillé. Ardha Anumanasana, inspirez, allongez le dos, expirez, penchez-vous. Inspirez, allongez, expirez, penchez-vous. La dernière, inspire, allonge, soit tu restes ici dans Ardha, soit tu glisses la jambe à l'avant et tu viens dans Anumanasana. Les deux mains au sol, inspire. Expire, penche-toi. Pressez dans vos mains, inspirez, remontez. Hop.
Posez le pied à plat au sol, à l'avant, tend la jambe arrière. Reviens dans la planche, pivote les deux talons à droite, Vasisthasana. Et pose les pieds qui se touchent. Tend le bras gauche vers le ciel, pousse dans la main droite pour bien remonter les hanches. Respire. Décolle la jambe gauche. Plie le genou, flip your dog. Allez, regarde le pouce de la main gauche. Tout doucement, tu reviens dans la planche. Descendez les genoux, la poitrine et le menton au sol. Glissez cobra. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, levez les talons. Enroulez la colonne vers l'avant, planche. Déposez genoux, poitrine, menton. Glissez cobra. Expirez, balasana. Relâchez le front dans le sol. Calmez ici votre respiration. Vous pouvez lâcher la respiration Ujjayi. Vous pouvez rester dans Balasana ou venir tranquillement vous allonger sur votre dos pour quelques minutes, 4 minutes exactement de Shavasana. Si ça vous fait du bien de rester en Balasana, restez dans Balasana. Quelle que soit votre posture, gardez les yeux fermés. Insistez sur les expirations pour faire redescendre votre rythme cardiaque. Desserrez vos mâchoires. Accueillez toutes les sensations dans votre corps, les sensations de chaleur, peut-être de petits picotements, l'énergie qui circule dans tout le corps. Par le nez et expirez. Tout doucement que vous soyez, venez vous rasseoir en prenant soin de ne pas forcer dans votre dos si vous êtes allongé sur le dos, en passant par votre droite, de revenir vous asseoir dans une posture dans laquelle vous vous sentez installé, ancré, posé à votre place. Les paumes de main tournées vers le ciel. Détendez bien vos épaules, étirez votre nuque. Soyez fiers de ce que vous faites. Soyez fiers de ce que vous êtes.
placez vos mains en Anjali Mudra devant votre cœur. Namasté.